Cela faisait plusieurs années qu'ils étaient fâchés. Selon les informations de nos confrères d'Europe 1, Marine et Jean-Marie Le Pen ont finalement enterré la hache de guerre du moins le temps d'une journée. En effet, la présidente du Rassemblement National, XFN, s'est rendue dimanche 17 juin au chevet de son père, qui est actuellement hospitalisé pour fatigue générale. Ainsi, Marine Le Pen a profité de la fête des pères afin de renouer le contact avec le patriarche du clan. Et pour ne pas gâcher ses retrouvailles, père et fille ont bien pris soin d'éviter le sujet qui fâche, à savoir la politique. Ce n'est un secret pour personne, Jean-Marie Le Pen est loin d'approuver les choix de sa fille sur la question. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus aux querelles. Selon ses proches, Marine cherchait le bon moment pour renouer des liens purement familiaux. Cependant, l'entourage de Jean-Marie Le Pen se veut rassurant quant à son état de santé. Toujours selon ses proches, il compte reprendre très prochainement l'écriture de ses mémoires et fêter également comme il se doit son 90e anniversaire. S'il a été contraint d'annuler son dîner prévu ce mercredi 20 juin, une nouvelle soirée a été programmée le samedi 30 juin.